tous, c'est Teamfight et je vous retrouve sur Zelda Twilight Princess pour l'épisode 2 de notre aventure sur Zelda Twilight Princess, ça je l'ai dit. Alors, je voulais vous montrer un truc drôle. Vous voyez, j'ai un faucon, je vise la poule là-bas. Non, il s'est pris le côté. Merde, désolé, c'était pas prévu. On va en rappeler un, c'est pour ça qu'il coûte cher, hein. Il n'a pas d'essence. Alors, on va passer. Hop, on passe. Tac. Alors, il nous faut trouver une poule. Là-bas, elle est pas assez. Pourquoi t'auras visé le champ? Non. non, mais une poule. Ça serait bien. Ah, je veux tellement vous montrer ça. Ah, mais il se paye à chaque fois le rebord. Est-ce qu'il y a moyen de se déplacer avec ça? Non. Où est-ce qu'il y a un endroit ici pour... Ah, merde! Je voulais commencer par un truc drôle. Alors, je sais comment on va faire. Ça va mettre un petit peu de temps, désolé. Mais je voulais vraiment que vous voyez ça. C'est spécialement juste pour le jeu Zelda Twilight Princess, hein, Zelda Skyward Sword. Vous ne pouvez pas faire ça. Donc, déjà, il n'y a pas de poule ni de faucon. En plus, il y en a une juste là. Alors par contre, on ne peut pas sauter aux échelles, c'est ça qui est chiant. Donc on monte tout en haut de la maison du chef du village quand même. Ok. Hop, on appelle. Alors vous voyez aussi la main, le signe de la Triforce. C'est-à-dire que c'est l'élu d'Aldès. Vous croyez que c'était une marque de naissance, je crois, un truc comme ça. Oh, encore le téléphone. Il y a un vide grenier qui se prépare, donc... Hop, hop, hop. Ah d'accord. Ah ouais. Et pousse ce bar. Avec, après ce que je veux faire. Putain, mais non! Pas trop drôle! Putain! Si elle est là en plus, elle est cachée! Elle est où? Bah, vous avez pas rêvé tout à l'heure! Ah, bah là. Bon, on va juste se monter à un petit endroit bien. Ah oui, je peux la porter, c'est déjà un peu what the fuck. Ah, mais c'est, je sais comment je vais faire. Alors, je vais bien la placer là. Alors, ça sera là. Mais non, elle est mal placée là. Elle est mal placée. Allez, mets-toi. Voilà, on va plutôt la porter. Tac, on la pose là. Non, pas bouger. Tu restes là. Putain, on va perdre je ne sais combien de temps pour juste une poule quand même, mais bon. Je veux vraiment vous montrer ça. Ah. Après, je sais exactement ce que je veux faire. On va perdre 3 minutes pour une poule. Ah, elles sont charmantes. Bon, je passe ça. Je peux rien passer. Un peu sur le tac. Voilà, forcément la poule là se met. Voilà, on va choper celle-là. Tac, on la chope. On la chope avec le faucon et il nous l'envoie. Et on va faire I believe I can fly and swim. I believe. Oui, c'est totalement what the fuck. Et alors, donc j'ai, hein. Alors, oh bonjour, si tu cherches mon mari, il a pris son épée et il est parti très tôt ce matin. Mais dis-moi, Link, tu n'aurais pas vu un coup fin sur la rivière? Il est tout juste assez grand pour y mettre mon bébé et il est tressé et encorsé en écorce de bois vert. Et voilà bien embêté jusqu'où est-il pu se reporter. Et ben moi je sais, j'ai regardé, comme ça au moins on gagne du temps après le truc des poules. Alors ça, c'est quand j'ai découvert ça, je sais même pas comment j'ai fait pour découvrir ça d'ailleurs. C'est un peu what the fuck. Enfin, un peu beaucoup même, on va dire. Alors on siffle pour appeler un faucon. Tac, on passe. Et vous voyez, là-bas, il y a un singe qui a le berceau. Alors, les faucons, au début, vont être très utiles. Hop. Ah, une petite musique. On sent plus de ça. Hop. Thank you very much. Oh, en plus, la musique ici, elle est très forte. En plus, elle va sur la manette. Oh, oh, oh. Attention, cargaison très, très... dangereuse. Enfin, cargaison fragile. Oh Link, mais ce couffin c'est... Oui, oh tu t'es donné la peine d'aller chercher pour moi. Merci beaucoup. Ah, j'avais oublié.
J'ai quelque chose à te donner. Prends ce couffin pour t'accompagner. Tu peux prendre le couffin et me raccompagner chez moi. Oh, d'accord. Oh, maman, enfin, je sais pas c'est qui, mais tu peux avancer un peu, tout petit peu plus vite? Soyons patients dans la vie. Avance! Ah, enfin. Alors, merci beaucoup, Link. Ah oui, j'ai failli oublier. Je vais te donner ceci, tiens. C'est pour toi. Canne à pêche. Et ça nous servir pour attirer le chat. Oh, t'as fini, mais c'est mon fils Colin qui l'a fabriqué avec l'aide de son père. Si ça t'intéresse, tu peux la garder. Voilà, bon, je la garde, hein. ça m'intéresse vachement. Parce que dans ce jeu, on peut pêcher pour le plaisir, soit pour libérer aussi libérer l'histoire, hein, le gameplay, mais on peut aussi pêcher comme ça pour le plaisir. Il y a un paradis du pêcheur, c'est un lac où tu peux aller en barque dessus. Et là, ce moulinet, là, c'est à tirer comme ça. Vous voyez, il y a le chat, et on va le tirer. Alors, vous faites moins, hop, vous avez tout. Vous pouvez assigner en B, vous pouvez assigner aussi sur les côtés, enfin plus tard, parce que là on n'a pas à trouver cet objet non plus. Alors, hop, on utilise. Et on pêche. Patiente. Alors non. Allez. Le plus. Oui, et voilà. Et là, faut tirer la manette comme si vous avez au plan. Et en plus, tu sens vraiment la manette qui tremble. Un goujon, bah, tu sens qu'il met un. Ah non, faut le garder pour le chat. Ah, on se parle de plein de poissons. Quand on les relâche, ça fait de la poscaille. Alors, on va bien là. Vous allez attraper un goujon de 29 cm du frétin que l'on trouve partout. Vous avez rétabli un nouveau record, votre carnaval. Vous pouvez relâcher le poisson. Ça n'est pas la peine de garder la pulsion. Et voilà. Le bleu, il m'a chopé le poisson. Ma poiscaille. Oh, carrément. Il va se fourrer là. Ah, nickel. Moi, il va être de bonne humeur. Hop, moi je passe par ici. Et c'est le magasin où il y a le lance-pierre. Alors je sais plus s'il coûte 30 et quelques ou 50. S'il coûte 30, tant mieux parce que j'ai farmé un peu de sous, ouais, en cassant des citrouilles. Oui, j'ai pété des citrouilles. Et ben, un gars qui m'a insulté, il fait on gaspille pas la nourriture. Et ben, je déconne. Oh bonjour Link, tu vas bien? Il faut absolument que je te raconte ça. Mon petit chat est incroyable. Il est revenu aujourd'hui et il m'a rapporté un poisson qu'il a pêché tout seul. C'est moi qui l'ai pêché. Je ne sais pas comment, il a fait peut-être... comment il a fait, c'est peut-être un génie. Oh, regarde mon petit bout de chou. Regarde-le laper son lolo, il est tout content, il est trop mignon. Bien, ben, tiens, tu n'as qu'à en boire aussi, c'est gratuit, je suis de bonne humeur aujourd'hui. J'ai obtenu une bouteille de lait. Ok, et bien on va pas le boire tout de suite parce que ça fait pour régénérer la vie. Et en plus, ça nous fait un flacon. Alors, par contre, je voudrais bien savoir le prix du lance-pierre parce que ça fait partie quand même de nos trucs. 30 roubis, oui, j'achète. Vous avez obtenu le lance-pierre, nickel. Ah non, plus rien m'intéresse. Nickel, comme ça on va avancer vite dans l'histoire. Heureusement que j'ai farmé en off, c'est beaucoup plus rapide. On pourra aller se la péter devant les autres petits qui sont là-haut là. Ils vont me faire des trucs d'entraînement. Ils vont mettre des cibles et puis ça, je dois m'entraîner. C'est. Salut. Ah Lynn, tu tombes bien. Je viens juste de déposer quelque chose chez toi. Je vais la laisser dans ta chambre. Elle est où mon lit? Oh, tu as pris la canne à pêche, c'est Colin qui va être content. Elle est facile à amener, non? Oui. Bon, eh bien, à plus tard.
Donc je les vois dans ma chambre. Plus tard. Et Link, tu as l'enseignant. Oh Link, tu l'as acheté? Oui. Bon, alors, séance de tir. Oh, c'est joli. Ok, bon. Bon, tu mets un. Allez, montre-nous ce que tu... ce que ce lance-pierre a dans le ventre, vise les cibles épouvantées. Vous êtes vraiment encore des gamins pour vous intéresser à ce point-là, à ce machin. Allez, Link, montre-nous, sinon on sera encore demain. Alors, il faut l'assigner. Alors, vous voyez, là, on peut le mettre sur le côté, comme le tiret. Voilà. Tu l'as touché, mais il est intact. Link, si tu... Si cela ne lui fait rien, vise la tête. Voilà, one shot, headshot. Wow, tu l'as eu. Ah non, c'est bien. Non, non. Voilà. Comment je l'ai vu? Ah, là. Voilà. Wow, super, Link. Si les cibles sont assez proches, c'est facile. Il te suffit d'appuyer sur Z pour le viser. Bon, c'est vrai que c'est facile, ça, c'est ciblé, hein, comme Zelda Skyward Sword. Mais la vache, t'es trop fort, Link. Ah, oui, au fait, dit Link, le père de Colin t'a pas apporté quelque chose tout à l'heure? Ah ouais, c'est vrai, c'était quoi, dit? Allez, montre-nous ce que c'était. C'est ça. Qu'est-ce qu'il t'a apporté, le père de Colin? Allez, dit, allez, montre-nous. Alors par contre, je ne sais plus du tout comment on fait. Alors, par contre... Voilà, ça s'invite automatiquement, c'est plutôt pratique. Ah oui, le père de Colin, ah oui, en fait, c'est pas la canne à pêche qu'il veut, mais c'est ce qu'il m'a donné dans ma chambre. D'accord. Bon. Bon, bah, faut trouver la chambre. Alors... Ah bah... Peut pas être plus visible. Oh, une épée! Oh oui, l'épée en... Oh bon. Bon, c'est pas super, super, mais on a de quoi se défendre et quoi. Exploser, découper en rondelles les petites bosses. Vous allez être contents. Regardez ce que j'ai eu. Et mais Link, c'est une épée en bois. Hein? Waouh, c'est vrai. Tu peux me faire voir un peu? Les derniers temps, il y a un sage qui nous a fait des grâces. Je voudrais lui donner une leçon. Alors s'il te plaît, apprends-nous à mieux. Ouais, génial. Bon, si tu veux, hein. Eux, ils vont prendre des bouts de bois. Enfin, ouais. Bon, super. Bon, alors, pour commencer, ben, montre-nous du coup normal. Une attaque. Il faut juste remettre... hein. Ouais, une attaque verticale, cool, hein. Il faut peut-être remettre à l'attaque dans le temps, hein. Alors, bon, alors maintenant. Allez, hein. Voilà. Oh, c'était super. Sauf que ce n'est pas la bonne attaque. Allez faire le haut et agiter. Hein. Mais ah c'est ça. Ça me change, j'aime pas. Ah oui, merci Link, je m'excuse de t'avoir passé. Oui. Celui où il appuie sur A tout en visant avec Z. J'ai un fan club. C'est trop bien. Bon. Merci Link. Ouais, je crois que j'ai compris ce coup-ci. Ouais, ou peut-être pas. Mais avec ça, certain sage peut se pointer quand il veut. Il sera pas venu pour rien. Mais, et...
Rien, ici tout de suite. Alors, il faut le poursuivre tout simplement. Alors, je prends Epona. Oh, vous pouvez passer. Débutez-vous. Hop, hop, on tourne. Allez, go. Oh, merde alors. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Fenrir et Balder se sont lancés comme des fous à la poursuite du singe. Mais je n'arrive pas à les suivre, ils vont trop vite pour moi. Ok, on retourne au village. Ah. Ils sont partis par là. Je me remets à toi, Link. Ok, bon. Enfin, je passe ce point. Non, hey, ils ont pas les boules. L'intérêt est bien solide. Ok, bon. Eh ben, forêt de Firol. Ok, on a juste à bien passer. Bon, il est où? Ah, moi je veux pas chercher éternellement. Il y a moyen aussi de se battre sur le cheval. Stop, ça fait. Ok, bah s'il est parti par là, il est dans la merde. On a combien de temps? Ok, bah de toute façon, il va se démerder jusqu'au prochain épisode. Hein, voilà, donc dans cet épisode, on a quand même gagné notre épée en bois. Ouais. C'est une épée comme toutes les autres, hein, elle est incroyablement puissante. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime et à plus.